drink. Et nous levons, nous sommes repartis pour l'aventure. Bienvenue à tous. Donc cette fois nous allons partir à l'aventure. Le dernier épisode on a fait une sorte de... on va l'appeler une petite pause. Parce qu'on a trouvé un nouvel endroit, un nouveau passage. C'est vrai qu'on avait fait exactement la même chose quand on avait trouvé la cabane ici. On avait fait un peu une pause et chassé, récupéré de l'eau et tout ça. Et du coup maintenant nous sommes donc à la fabrique du mineur. Enfin, des mineurs plutôt. Et nous avons fait un peu la même chose. Donc la dernière fois, on a fait à peu près... ouais, l'épisode entier, c'était faire de la nourriture et de l'eau. Bon, on a une trentaine de litres, je crois, d'eau. On a une vingtaine de kilos de viande. 25 kilos, 20 kilos, 20-25 kilos. Donc on est bon. On est très très bon même. Donc maintenant, on va pouvoir partir à l'aventure. Par contre, il fait toujours... nuit, c'est un peu embêtant en fait ces endroits là où en intérieur on voit strictement rien. Ah, chier. Je sais même pas si je regarde mes pieds, le plafond, j'en sais strictement. Je vois rien en plus. Ah, qu'est-ce que c'est relou. Qu'est-ce que c'est relou. Ça devient... en fait, ça, c'est énervant. Désolé, mais c'est énervant. Parce qu'en fait, on perd des heures pour rien, là. Et elle se fatigue, en plus. Je sais même plus où il est, le lit. Il n'y a aucune lumière, il n'y a rien, alors qu'il fait déjà jour. Je trouve pas la sortie. Non, là c'est vraiment relou. J'avoue que c'est vraiment, vraiment relou. Ah, bah, j'étais en train de regarder en l'air, c'est pour ça. D'accord. Ah là 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 là. Regardez-moi ça. On était full eau, full nourriture. On est fatigué maintenant. On a perdu des heures. C'est vraiment fun. Enfin, bref. Alors. On va prendre ça. On va prendre ça. Torche. Parce que là, on va partir. On va prendre le pont qu'on avait vu tout à l'heure. Donc, on va tout prendre. On va s'équiper. Très bien. On va essayer d'être quand même un peu léger si on a des objets à prendre. Après, j'avais dit qu'on allait coudre ça. Je pense pas qu'on va le faire. Je pense pas qu'on va le faire. On a plus des rouges. Intéressant. Intéressant. On va prendre ça du coup. Peut-être pour en faire. Ok. On va peut-être prendre un peu plus de tissu. Comme ça, si jamais on trouve une grotte et tout ça, on pourra coudre dans la grotte, en fait. La nourriture, on va prendre un autre steak, on va prendre de l'eau et on est bon. On va dormir une heure, quand même. Eh oui, parce que maintenant, on est fatigué. En espérant que le temps ne bouge pas. Le temps ne bouge pas, s'il vous plaît. Voilà, très bien. C'est parti vers l'inconnu. Donc on va prendre le pont à la Indiana Jones, là. Qu'on avait vu. Qui zigzague, là. Enfin, pas qui zigzague, qui balance. Ouais, ça va, il fait pas extrêmement froid. Très bien, très bien, très bien. Alors, j'avais dit ça. On va se mettre là pour se rester au chaud. Ah, très bien. Voilà, parfait. Let's go. Eau potable. Charbon. On va les mettre là. Ah, très bien. Alors,
C'est parti. C'est parti pour l'aventure. Or, c'était où exactement le pont? C'était là? Ouais, je crois que c'est là. On va voir un peu ce qu'on va découvrir. Ce pont a l'air cool, ça a l'air bien bien stylé. Avec, c'est un pont en corde. Jamais de la vie, je franchirai un truc comme ça. Je préfère encore rester ici. On a l'arc qui est prêt. C'est parti. Ça a l'air intriguant en fait ici. Donc... Oh mon dieu, on peut tomber. On peut passer ça? Oh la vache. Elle fait des à-coups. Oh mon dieu. Oh mais... Mais c'est horrible en fait, faut bouger avec le pont. Regarde par en bas. Mais c'est horrible. C'est peut-être pas aussi... Non, si, ça fait des à-coups. En fait, parce que le pont bouge, et vous non. Et vous tombez contre la corde en fait. Oh, oh mon dieu. On va dessiner. Oh la vache. C'est pire que le... Ah là c'est complètement pire que... Vous vous rappelez le chemin de fer là qui est en suspension dans, sur un pont en fait. Ah ouais non là c'est horrible. Là, j'avoue que c'est horrible. Alors on a ça. Très bien, on va les laisser par terre. On va les laisser par terre. On a un peu froid, donc il faudra faire gaffe. Enfin, on va commencer à trembler. Donc j'espère que... On va peut-être un peu accélérer. Parce que j'ai peur de tomber nez à nez avec quelque chose et qu'on commence à trembler. Ok, j'entends rien. Je crois que c'est la pierre qui fait le bruit là. Me dites pas que c'est juste un chemin en fait pour redescendre. Si. Je crois qu'il y a un cerf. Je crois qu'il y a un cerf là-bas. Le son, ça avait l'air d'être un cerf. Il faudrait qu'on puisse se réchauffer. C'est juste un cerf, ça va. Très bien, ça c'est pour faire un arc. On pourrait faire un feu ici. Est-ce qu'on a... Est-ce qu'il fait jour pour faire un feu avec... Non. Bon, j'ai pas l'impression que ça soit vraiment un chemin pour une mine ou un truc comme ça. C'est peut-être juste un autre passage en fait, pour monter. Bon, un peu déçu.
Je voudrais bien dessiner, mais on a froid. Enfin, on n'est pas complètement en bas. Hein. On n'est pas complètement en bas. On est à mi-hauteur. On est à mi-hauteur, je crois bien. Ouais. On est à mi-hauteur. Pas l'air d'avoir grand chose. Par des cailloux. Ah, on a encore un pont. Qu'est-ce qu'on fait? On a des ressources, donc autant pousser. Autant pousser encore. C'est la même chose. Oh la vache. Ok. En fait, faut faire droite-gauche, quoi, pour éviter de se prendre la corde. Ok, ok. On a un bon... Bon élan là, très bien. Ok. Oh. Oh, oh, oh oui, la couture facile. Haute prairie. J'entends les corbeaux. Une corde. Oh, on n'est pas à la maison. Vous vous rappelez la corde qu'on avait vue en hauteur? En dessous? Et il y avait des corbeaux aussi, qui étaient très 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 hauts. Et je pense qu'on a, on est possiblement au bon endroit. Je crois qu'on est là. Je crois qu'on est ici. Parce que ça coïnciderait en fait avec notre chemin. Je crois qu'on est, on y est. Je vais regarder les corbeaux, s'il n'y a pas des cadavres genre en hauteur. Et après, on va prendre la corde. Là, en dessous, il y a la maison. On va pouvoir se reposer. Non, ça doit être en dessous, je pense. Ouais, non. S'ils sont assez... Ils sont ici, les corbeaux, c'est en dessous. Oh, il y a plein de trucs en haut, là. C'est moche. C'est moche. Ok, on est obligé de prendre la corde, je crois. On est à 39. On est fatigué. Non, on n'est pas fatigué, ça va. Alors, on va faire ça juste au cas où. On va baisser un peu notre poids. C'est haut ou pas? Non, ça va. Bah du coup, il nous faudrait une corde. On l'a mis où la corde, nous? On l'a mis dans la cabane en bas. Hein. Ouais, je crois qu'on l'avait mis au sol. Donc il faudrait aller la reprendre. Ouais, c'est là-bas, nous. Non. Je sais plus. Je sais plus par où c'est. Ok. Oh, attends, il y a plusieurs cordes. Attends, ils vont où ces corbeaux là? On est peut-être pas à l'endroit où je pense en fait. Non, on est peut-être pas du tout à l'endroit où je pense en fait. Il va falloir que... Non, c'est pas du tout là. Bon, bah mince là.
Ah non, on est dans une nouvelle partie en fait. C'est quoi ça? Non, c'est des rochers. Quoi, c'est un élan mort? Un cerf? Là-bas, je crois qu'il y a une grotte. Ben merde. Il y a des lapins. Oh mon dieu, on est où encore? C'est tout nouveau ça. Genre, toute cette zone. Genre, c'est tout nouveau. C'est pas un petit morceau, c'est toute la zone. On va devoir faire du feu. Quoi? Non, ça va. Ah, on a chaud. Ah, Dieu merci, on a chaud ici. Grotte de grimpeur. Donc ça, c'est bien. Dieu merci. Donc on est tranquille, on n'a pas besoin de faire de feu. Si on veut pas. On va prendre le bois qu'il y avait là. Très bien. J'ai vu la note, restez cool. Alors, servir de guide à ces touristes du continent qui n'arrêtent pas de se plaindre, ça ne vaut vraiment pas la peine. C'est sûrement des touristes français, ça. Après la haute prairie, je vais m'éclipser et aller à cette mine d'or que mon père m'avait montrée. Ça fait déjà une semaine que je veux faire cette excursion. Ah, donc on arrive un peu plus. Après la haute prairie, je vais m'éclipser et aller à la mine d'or que mon père m'avait montré. Donc est-ce qu'on se rapproche? J'entends du bruit ou pas? Non. Est-ce qu'on se rapproche de la mine? On est où? Mine de camp. Oh la vache. Ah ouais, on n'est pas du tout. Vous croyez qu'on a fait tout ça en fait? On était en hauteur. Parce que moi j'ai pas reconnu. Non, on a fait ça en fait. Parce qu'on a pris deux ponts. Donc on a. On était là. On était ici. On a pris ce pont là. Je pense qu'on a fait ça. On a pris un deuxième pont. Et on s'est retrouvé là. Et là après on est tombé. On est descendu avec les cordes. Bon, ce qui est bien c'est qu'on peut remonter avec les cordes. C'est pas très très. Enfin, c'est chiant quoi, mais. Bon, y a quoi dedans? Est-ce que c'est un passage? Comment ça se passe? Ça m'étonnerait que ce soit un passage. Non. Non, mais on peut rester ici, tranquillement. Bah c'est bien, qu'est-ce que j'ai que je vous dise moi? Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on peut dormir là. -22 degrés. Bon, on va explorer. Peut-être ramasser des lapins. Peut-être.
take it. On prendra le lapin après. J'entends des loups, mais c'est peut-être de l'autre côté en fait. Faut pas regarder hein, dans le ciel. Bon, on a vu qu'il y avait des baies, il y avait des champignons aussi à prendre. Donc, très bien, là-bas il y a les cordes. Faudra aller dessiner les cordes. Comme ça on a un repère. Pas l'air d'avoir de prédateur pour le moment, ce qui est bien. Ok, donc on est de ce côté. Est-ce qu'on peut revenir? Est-ce qu'on peut descendre par là? On va voir un peu. Oh. C'est un pont détruit, ça, je crois. Table. Ah non, c'est des objets qui sont tombés. Ok, on peut descendre là. Ouais, moi je pensais qu'on était... Ouais, non, qu'on était là, quoi. Elle est où, notre maison? Ah, elle est derrière, elle est là, elle est derrière le rocher, en fait. Ok, donc on peut directement descendre par là. Si on veut. On peut descendre par là. Pour retomber directement sur notre maison, donc ça c'est bien, comme ça, après on fait le chemin inverse, hein. Enfin, non, pas le chemin inverse, je veux dire, on refait le chemin, hein, si jamais on... Au lieu de reprendre les cordes, parce que c'est vrai, prendre deux cordes d'affilée comme ça, il faudrait dormir et tout, c'est chiant. Donc du coup, on peut tout simplement refaire le chemin derrière la cascade, reprendre la grotte, etc., etc. Bon, il faut une source de lumière, mais... Mais à la limite, on peut faire ça. On peut faire ça, c'est pas très... On est pas bloqué, quoi, donc ça va, c'est bien, c'est bien. Mais d'abord, on va fouiller tout cet endroit, du coup, hein. On va vraiment tout fouiller. On va aller de ce côté, là-bas, là. Parce que le mec parle d'une excursion alors qu'il est là-bas. Peut-être que la mine... ouais, peut-être que la mine, elle est pas très très loin. Oh non, mais on tremble, on va pas faire le deuxième lapin. Peut-être qu'elle est pas extrêmement loin, la mine. Et ça, c'est bon signe. Très bien. C'est quoi abri? Y a pas abri en fait, on va mettre stockage. L'intérieur n'apparaît pas sur la carte. Non, c'est bon. Pas besoin de me montrer à chaque fois. Ça
Ça, c'est une bûche calorifique, ça dure. Dure 3. Avec notre bonus, je sais même pas. Vu qu'on est niveau 5, honnêtement, je sais même pas combien de temps ça doit durer. Genre peut-être 3 heures, 4 heures la bûche. Ça va être vraiment cool. Après, on a la couture facile, donc ça, c'est bien. Très bien. Ouais, on n'est pas bloqué, on n'est pas en danger. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire en fait. C'est qu'on n'est pas bloqué, on n'est pas en danger. C'est ça le plus important. En plus, ça peut sécher là, non? Ouais, ça peut sécher. Parfait. On va encore un peu se balader. Il fait très mauvais, mais. Je vais voir un peu du côté droit. Ça a l'air de grave monter, hein. C'est chaud quand même cette zone, c'est tellement grand. Alors je sais pas si la zone elle est plus grande que les autres, ou alors c'est la façon dont elle est faite en fait, parce que si on prend d'autres zones, il y a des zones aussi très grandes, genre par exemple Milton. Milton est très grand hein, quand on prend le... Enfin la région je parle, hein, pas la ville. Mais la région en elle-même, elle est aussi très grande si on prend le bas de Milton, en fait. Où il y a la prairie, puis après en bas de la prairie, et tout ça. Mais, c'est pas un endroit où vous allez rester. Donc du coup, vous commencez un peu à... Je crois qu'il y a des lapins. À tourner un peu aux mêmes endroits, en fait. Alors que là, il y a des choses, en fait, un peu partout. Donc voilà, je sais pas si c'est parce que c'est de la façon dont la zone elle est faite ou alors c'est parce qu'elle est vraiment plus grande que le reste quoi. On peut se protéger du vent, merci. Mais en tout cas c'est vraiment cool. Oh, appui du pilier, oh mon dieu. On a trouvé tout un nouveau lieu. Faut faire attention de pas trop descendre parce que sinon après on pourra plus remonter. Bon, je vois rien qui pourrait ressembler à une mine. Mais on découvre toujours plein de choses, c'est vraiment 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 cool. Là, on a un arbre couché. Est-ce qu'on peut l'utiliser en tant que pont pour monter et descendre? Ah, je crois que... Je crois... Oui, peut-être. Ah, si, on peut. Si on avait une indication de par où la mine elle serait. Après bien sûr quand je dis ça ou alors je pose des questions c'est rhétorique. Hein. Je sais qu'il y en a sûrement dans les commentaires qui m'ont déjà mis. Mais la mine elle est là-bas, tu vas à droite, à gauche, tu tournes, tu fais un demi-tour et hop elle est là. C'est facile. Je sais mais j'ai pas envie de me faire spoiler. C'est rhétorique à chaque fois. Ah, quelqu'un qui s'est arrêté là. T'es sérieux, on vient de trouver un flare gun. Un igloo détruit. Pour le réparer, il faut quoi? Nécessaire, n'est pas ok. C'est un gars ici, freezing.
Vous pensez qu'on est sur les traces du mec qui est allé trouver la mine peut-être? Vous pensez que c'est bon ou pas? Mais après je vois pas trop d'autres sentiers en fait. Peut-être là, descendre là, je suis pas sûr. Bon, on va rentrer, on va aller dormir. On va faire attention de ne pas tomber aussi. Est-ce que vous pensez que le flare gun qu'on vient de trouver là appartient au guide touristique? Et est-ce qu'il est passé par là? Hop là, petit raccourci. On va peut-être pas aller là parce qu'on va se bloquer. C'est pas mal ce raccourci, c'est pas mal. Hein? Est-ce que vous pensez que... Est-ce qu'on était sur les traces dans la bonne direction en fait? Ou pas? Il n'y a rien dedans par contre. Il est complètement vide. On va mettre ça là. Voilà, on est protégé. Pas vraiment besoin de faire à manger, rien. Enfin, pas d'eau non plus. Peut-être de la nourriture, oui, à la limite. Au bout d'un moment, il va en falloir un peu. Mais on verra ça demain. J'ai envie de lire un peu. Ok, très bien. On va voir si on peut pas récupérer le lapin. Le deuxième lapin là qui se baladait. On le voit. On va y aller avec la pierre. Il y a bien là-bas aussi à aller fouiller. Très bien. Est-ce qu'on peut faire ça à la main? Une minute. Ah, c'est pas mal là. C'est pas mal, on a les bonnes ressources, on est protégé, c'est tranquille. Donc on va peut-être pouvoir rester quelques jours ici. Le temps de faire le tour. C'est juste un peu la nourriture, on n'a pas énormément. Ah ouais, on a même plus la viande en fait, on l'a fini? Ou je l'ai déposé? Ah ouais, non, on l'a fini en fait. D'accord. Waouh, bah encore heureux. Hein. Encore heureux qu'on a trouvé notre un bon endroit. Hein. J'ai
j'ai envie de dire, les endroits, ils ont quand même pas vraiment de logique. Hein. Par rapport à ceux qui sont protégés du vent, ceux qui sont pas protégés du vent. Ceux où il fait chaud, ceux où il fait froid, il n'y a aucune logique. Il y a zéro logique. Parce que là, je pense pas qu'il fasse très très chaud, hein, dans la pierre comme ça. Enfin bref. Je pense qu'on va dormir. Et je crois qu'on va devoir faire du feu pour faire cuire les lapins. Je pense. Parce qu'on a déjà plus rien en fait. Enfin après on a encore des massettes, on peut tenir un tout petit peu. J'ai envie de dire. Est-ce qu'il fait froid? Il fait froid quand même. Si on fait du feu, j'ai envie qu'on ait un peu plus de... sont où les corbeaux? J'ai envie de qu'on ait un peu plus de nourriture à faire en fait. Donc autant explorer, on va aller explorer là-bas. Après ouais, il y a le cerf. Il doit sûrement avoir un kilo de viande, pas plus. On va prendre ça. C'est la mine la mieux cachée au monde, quoi, par contre. Je veux pas dire, mais... Genre, il y a zéro indication. Je veux pas dire, mais il y a zéro indication. On est d'accord. Nulle part, on indique, genre, un panneau qui dit mine. Parce qu'il y a d'autres régions où il y a des panneaux. Hein. Là, il y a rien. Genre, c'est une mine d'or et tout, mais... Les gens, ils la gardent bien secrète. Hein. Enfin, après, dans un sens, je dirais que c'est logique. Mais bon, s'il y en a plusieurs qui travaillent ici... Ouais, genre, peut-être, ouais, ils se passent tous le mot pour que personne en parle, en fait. Oui, non, c'est possible. Où est-ce qu'on est maintenant? J'arrive même plus à comprendre en fait où on en est par rapport à la map. Genre dans quelle direction je suis en train de regarder. Il fait pas assez jour hein, pour... S'il fait assez jour. S'il fait assez jour. Donc on pourrait faire du feu pour les lapins là. On va aller prendre le steak du gibier là. Oh non!
Oh, la blague. C'est pour ça que j'ai utilisé le couteau, parce que je me suis dit, tiens, on va pouvoir utiliser la loupe pour aller vite, en fait. Oh, chier. J'aurais dû faire un feu à côté de l'élan. Plus, enfin, de à côté du cerf. Plus j'ai pensé à le faire, mais je me suis dit, non, ça va quand même. Voilà, ça, je me suis fait avoir. Je me suis fait complètement avoir. Donc là, on devrait utiliser une allumette en fait. On est à combien? 640 calories et il nous reste à prendre 2. Le vent se lève. Parce que je me suis dit peut-être que la lumière va revenir si on attend un peu. Mais bon. Ouais, je pense qu'on va devoir utiliser une allumette. Ah, c'est embêtant! Où est-ce qu'on pourrait aller d'autre part aussi? Ah oui, il faut que je regarde la carte, faut que bien que je la comprenne, parce que je la comprends pas en fait. Alors, je vais voir un peu. Alors, on était de ce côté-là. En fait, on a dessiné à l'envers, parce qu'on regardait vers ce côté-là, nous. Mais on n'avait pas découvert ça, donc ça a dessiné ici. Donc ici, c'est tout en hauteur. Il faudrait aller dessiner le reste, honnêtement. Il faudrait aller dessiner le reste. Ça, c'est la grotte où on était bloqué à l'intérieur, ça je m'en rappelle, parce qu'après on était revenu. On avait refait ça, et on était... Non, on avait fait ça. Ouais, on avait fait comme ça. Et elle mène où cette grotte? Je m'en rappelle plus. Non, ça, là où c'est. Là, ça c'était la toute première grotte du premier épisode qu'on est arrivé. Ça c'est la grotte où on est resté, là, c'est dans la crevasse là. On était bloqué, après on avait fait demi-tour pour revenir. Ouais, là, ouais, là on passe par entre les rochers en fait, entre les montagnes. Puis après, on passe sous le pont. Après, il y a la chute d'eau. Je sais pas si vraiment elle est dessinée. Crique brisée, ouais, bon, c'est ça la crique. Et après, on était remonté là et revenu sur l'antre du pêcheur. Ok. Alors maintenant, ce qu'on pourrait faire... C'est quoi ce bruit? C'est juste le vent. On pourrait revenir ici et aller fouiller là. Mais bon, pour revenir, il faut reprendre les cordes qui sont là. Donc la corde là, et après, il faut refaire tout ce chemin avec les deux ponts là, pont là et pont là. Alors moi je sais pas, honnêtement j'ai pas vraiment envie de refaire demi-tour. J'ai envie de continuer ici, personnellement. J'ai envie de continuer là. Donc je pense qu'on va peut-être s'arrêter là pour l'épisode. On va voir un peu comment le temps évolue. Voilà.
7 minutes, c'est très bien. Ouais, faut voir un peu comment le temps évolue. Et je pense qu'on va donc reprendre le tronc d'arbre là qui faisait office de pont. Et on va voir si on peut pas descendre dans l'appui du pilier. Voir s'il n'y a pas un passage pour descendre. Parce que bon, on avait trouvé le flare et tout ça. Alors après, c'est peut-être que c'était, bah, c'était un endroit pour trouver le flare gun. Hein. Et après, on peut pas descendre. Mais faut quand même qu'on aille vérifier. Faut être sûr. Très bien. On a 2 heures, parfait. Ah, comme ça, on se remet à 100%. Mais il va falloir bouger, ouais, parce qu'il y a pas, on n'a pas vu de, on a vu des cerfs, non, je pense pas. Bon après, comme j'ai dit, si vraiment on est, si vraiment on a des problèmes, on a vu qu'il y avait un passage là pour directement descendre sur l'antre du pêcheur. Donc à la limite, voilà, si jamais c'est la merde, on passe par là. Il n'y a pas vraiment de grands problèmes, quoi. Bien. Bon, on a un temps un peu pourri par contre. On va faire encore un thé, je pense. J'aurais pas dû attendre. Parce que j'ai plein de trucs à crafter, en fait. J'ai plein de baies et de champignons à faire. Complètement oublié. Très bien. L'eau, on en a jamais assez. Ça devient un peu compliqué là avec toutes les tempêtes. Je pense qu'on est tombé sur le mauvais moment. Il y a beaucoup de tempêtes d'affilée. Mais bon. Encore une fois, encore heureux qu'on a, on trouve les endroits pour s'abriter là. C'est vrai que ça devient un peu dangereux en fait de se déplacer. Si jamais ça se calme maintenant et qu'il fait bon, on part maintenant. Oh, un hameçon, j'avais pas vu. Très bien. 44 minutes. On n'a plus de morceaux de bois.
Alors, je vais voir. On va voir si on peut partir. Comme j'ai dit, on va en arrière. C'est parti, let's go. Il fait pas très froid. Donc comme ça, on peut s'avancer un peu plus. Il vient juste de faire une tempête en plus, donc c'est tranquille. Et si jamais il n'y a pas de chemin vraiment pour descendre ou quoi que ce soit, on retourne dans la grotte et on dort ici. Ah, et on s'arrêtera là et puis... puis je sais pas trop, on repartira, je sais pas où. Là on dirait un chemin aussi. On dirait aussi un chemin. Il y a un faitout là, ok, d'accord. Bon, allez, on y va. C'est quoi ça? Une serviette. Ok. S'il y a... Je vais être honnête. S'il y a des objets comme ça disséminés un peu partout, ça veut dire qu'on est sur une piste. On est d'accord. Une boîte. Hein? On est d'accord que si on trouve des objets, c'est qu'on est sur une piste de quelqu'un. On est sur une piste de quelque chose. On va rester en hauteur, parce que je voulais descendre, mais on va rester en hauteur, parce que ça a l'air de continuer. On va voir là. Attends, comment on passe? Une serviette, juste comme ça. C'est bizarre. Un faitout déjà, un faitout c'est top. Une serviette, et après une boîte. Ce qui est bien, c'est qu'il fait pas froid. Un passage là. Peut-être un moyen de monter et descendre. Après on va aller de l'autre côté. Oh mon dieu, quel bordel! C'est quoi, c'est un lit ça? Faut faire le plongeon de l'aigle, c'est ça? On peut se réchauffer dans le lit. Ah, il fait chaud! Il fait chaud ici. On peut se réchauffer. Intéressant. On pourrait dormir là. Oh la vache, c'est compliqué tout ça. Ah, parfait. Mais on va continuer. Je me suis bloqué. On va continuer de ce côté. On va descendre. Ah,
Elle est vraiment bien cette région, c'est complètement fou en fait. Mais c'est étonnant de toujours pas avoir trouvé cette grotte. Attends, on vient de là? Ah oui, non, c'est là que je voulais aller maintenant. C'est étonnant, cette mine, pardon. C'est fou. Ok, encore de l'équipement. Ok. C'est quoi ça? C'est un arbre. Il y a un truc qui pendait, je pensais que c'était autre chose. Qu'est-ce qu'on fait? On descend tout en bas? Bon, je pense qu'on va descendre. Je pense qu'on va descendre, on va voir un peu ce qu'il y a. Il faudrait trouver un endroit pour dormir. Mais par contre, on descend comment? C'est ça ma question. Comment on va descendre? On va descendre comme d'habitude. Je pense que là, ouais, on peut passer. Bon, maintenant on y est. On avait vu la carte, il n'y avait pas grand chose de ce côté-là. Genre là, il n'y a rien sur la carte qui a été dessinée. Donc on va aller sur le côté droit. Genre là, il n'y a rien, il n'y a pas de grotte, rien. Peut-être des massettes à la limite. Mais c'est tout, donc on va continuer à aller vers le bas. Ouais, je suis d'accord. Reste cool. Pas paniquer dans ces cas-là. C'est quoi ça? Oh, une grotte. Trouver une grotte. Quoi? Une torche? Une torche brûlée, donc on est venu ici? Wow. Quitter le canyon des cendres. What? On est où? What? Ça c'est mon Timberwolf. Vous croyez que c'est la toute première grotte du tout premier épisode du canyon? Vous croyez que c'est là? On va dessiner. Ah, oh, c'est peut-être là. Did I say I hate being cold? Because I really do. Ah,
vers le réseau de grottes. Ah non, c'est une nouvelle. Ou alors, non, c'est là, c'est peut-être là. Le problème, c'est que on était venu avec... C'était le brouillard, donc est-ce que... Est-ce que ça nous dit quelque chose, en fait, avec ce brouillard? Genre, est-ce que c'est... Ça pourrait être le chemin qu'on ait pris? Il y a des lapins. Est-ce que ça pourrait être le bon chemin? Parce que une torche brûlée, ça peut être que nous. Hein. Moins qu'il y ait un deuxième joueur. Mais... Je vais analyser la carte. Je crois qu'on va s'arrêter là, on va dormir ici. Par contre, on voit rien. Ok. Alors, imaginons qu'on était arrivé ici. Nous, on avait fait quoi? Nous, on avait longé sur la gauche pendant le brouillard, je parle. Moi, pendant le brouillard, je pensais qu'on était là. Genre qu'on était arrivé comme ça et qu'on avait longé sur la gauche. Donc, le mur, il était à notre gauche. Donc là, comme ça, en fait. Comme ça. En fait, peut-être qu'on était là. Et on a fait comme ça. Et après, ça pourrait coïncider avec le fait qu'on était en hauteur. Genre, on était là, en fait. On était... Après, ça monte, sûrement. Ça monte. Après, là, on a vu qu'il y avait la crevasse et c'était très haut. Et c'est à ce moment-là où on était en surplomb. À un moment où, vous vous rappelez, on était sur des rondins de bois et tout ça. Et je disais, est-ce que c'est un chemin pour descendre et tout ça? Et on va pas le faire. Donc, on était sûrement quelque part par là. Et après, on était encore en hauteur et on est descendu et on est arrivé sur la grotte du plateau. La toute première grande grotte qu'on a vue. Donc ouais, non c'est bon, je crois qu'on a les deux endroits. Donc là c'est directement vers le mont Timberwolf et là c'est la grotte en fait. C'est pas en haut, c'est en bas. C'est les deux en bas. Au final. Bon bah voilà, on a élucidé le mystère. On a élucidé le mystère. Bon. Bah du coup, ce qu'on fera, nous, vu qu'on avait fait ça dans le brouillard, bah on va refaire tout ça. Et on va voir si on n'a pas loupé des choses, quoi. Tout simplement. Je vois rien, c'est relou, par contre. On va dormir, on continuera la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine, on avance, je sais toujours pas vraiment où elle peut être cette mine. On va faire toute la map, et au final on va tomber sur la mine, alors que la mine on aurait pu y aller très très tôt je pense. Mais bon c'est pas grave. Allez à la prochaine, ciao ciao.